Allez, c'est parti, nouvelle étape. Maintenant, je vais pouvoir coller à l'intérieur des coffres la mousse. J'ai pas trop filmé à la découpe, c'est de la mousse, voilà, c'est un genre d'Eva. On peut dire en feuilles de 40 par 40 que j'ai découpé à la bonne forme. Et maintenant, je vais les coller à la colle néoprène. Je recouvre l'intérieur de certains coffres avec pour que ce soit plus propre, ça passe une jolie finition. Et comme ça évitera s'il y a des trucs dedans, quand ça bouge, ça fasse du bruit à l'intérieur. Donc c'est parti, colle néoprène, un rouleau, on en met des deux côtés et puis on attend un petit peu, puis on pose. Faut pas se planter parce qu'après, une fois que c'est posé, voilà, il y a une chance, on peut plus la déplacer. C'est vraiment, ça va vraiment vite. Donc c'est parti, on en colle des deux côtés. Et du coup, je vais faire l'intérieur du grand coffre qui est sous le banc, en fait, avec les sièges. Et la marche qui est juste là, que vous ne voyez pas actuellement. Donc c'est parti, je vais commencer par les fonds et après je ferai les côtés. Ça y est, j'ai fait tous les coffres. C'est vraiment super propre. Ça fait vraiment fini. C'est top. Il va me rester du coup l'évac à passer parce que je vais mettre une évacuation d'eau au cas où il y ait de l'eau qui rentre parce que les coffres sont pas étanches. Ça permettra d'évacuer s'il y a une grosse quantité d'eau, une grosse vague, je ne sais quoi, dans la rigole. Et pareil sur celui-là. Vous allez voir l'évac ici. Donc je vais pouvoir poser ça, c'est parti.
juste en place, elle est juste vissée par le boulon là et un boulon là. Maintenant il me reste à faire mettre les inserts pour pouvoir la boulonner un peu partout autour aussi. Et voilà. Et après à fixer, on voit rien, mais fixer les vacs qui va aller ici. Allez, c'est parti, on va mettre ces inserts. Bon voilà, ça y est. J'ai pas vissé toutes les vis à fond, mais c'est en place. Ça tient bien, pas de soucis. Une bonne étape de faite qui va me permettre de pouvoir finir le pont. Il me reste encore à coller quand même le bouchon, j'ai pas le temps ce soir. Mais voilà où on en est. Ça permet de se dévisser pour accéder notamment à la pompe de cale, pour changer un thermique s'il y a besoin, des choses comme ça. Et c'est relativement accessible.